Bonjour à vous les amis et bienvenue dans cette vidéo où nous allons aujourd'hui construire une nouvelle base. Si vous avez suivi les lives qui ont précédé, nous avons découvert une nouvelle technique qui s'appelle l'hydraulique. Regardez les trucs qui sont possibles par exemple avec l'hydraulique. Voilà, on place un hydraulique, on appuie sur le bouton et en fait ça va pousser et ou à la rigueur tirer et il va s'arrêter à une certaine distance. On peut choisir la vitesse et la distance. Donc avec tout ça les gens, vous savez très bien ce qui peut se passer. Et j'ai envie de construire un piège mobile pour la police. Un piège qui se refermera sur eux et qui créera une genre de cage où ils ne pourront pas s'en sortir. D'ailleurs, j'en profite les viewers de vous dire qu'on a pas mal optimisé le serveur et que si vous aviez des crashs malheureux, eh ben il se pourrait que ça soit réglé. N'hésitez pas à tenter de vous connecter. Donc là, les gars, ce que je vais faire, c'est que là, je vais mettre une cage ici. Voilà, et je me demande en fait si on peut faire voilà, un truc qui se referme comme ça. Bon, j'ai pas assez de mid distance, mais vous voyez à peu près le principe. Après, je me dis, est-ce que les flics en voyant ça, ils vont pas se dire, il est chelou. Pourquoi il y a ça? C'est aussi une question qu'on peut se permettre de se poser. Si je mets une distance de 150, je vais tester ça. Là, si je mets une distance de 150, est-ce que ça pousse assez loin? Ouais. Oh, est presque parfait. Faudrait que je mette une distance de 148. Avec une distance de 148, est-ce que c'est correct? Et en fait, il faudrait juste que j'augmente aussi un peu la vitesse. Voilà, une vitesse rapide. Voilà, en mode, ils peuvent rien fermer. Est-ce qu'ils peuvent pousser? Non, ils peuvent pas pousser le truc. Hein. Ah, quoi que si, regardez. S'ils mettent leur gros corps là, dégueulasse, là. Et ils peuvent essayer de faire quelque chose en vrai. Ok, donc là, je vais construire la cage en longueur. C'est vrai que c'est un peu suspect. Hein. Et vous savez très bien que quand un truc est suspect, la police, elle fait du metagaming, les viewers. Mais bien sûr qu'elle fait du metagaming. Ben, bien sûr. J'ai remis un axe de rotation ici. Et est-ce que là, si j'appuie, ça marche? Oui, oui. Oui, oui, ça marche. Putain, c'est pas mal du tout. Hein. Et je peux vous le dire qu'avec cette technique, je peux évidemment créer mille et un prank pour la police. Mais après, est-ce que les flicos vont pas voir ça et se dire, mais attends, mais... parce qu'il va avoir la même chose de l'autre côté. Est-ce que vous pensez que les flicos sont suffisamment cons pour y croire? Et aussi, j'ai peur d'un truc, mais normalement, ça devrait aller. Parce que si un flic marche sur la barrière... Ah mais non, mais les flics, ils vont sauter ici à droite en mode... Attends, quoi que même moi, j'y arrive pas. Attends, est-ce que j'y arrive? Non, j'ai l'air de pas y arriver. En fait, s'ils sont là, normalement, ils se font dégager, regarde. Ouais, quoi que... Aïe, aïe, aïe. Tu vois, ce que je me dis, c'est que le flicos... Ah non, mais que le flicos, il va essayer de résister, mais je suis sûr que ça devrait aller. Ah bon, on teste les viewers. Si c'est un fail, on réessayera dans une autre vidéo. Hein. Je suis le professeur MK, les viewers. Et le professeur MK, il est devenu fou avec ses créations, les viewers. Ah, d'ailleurs, faut que j'achète le bâtiment. Putain, je suis con. Acheter la propriété en garde de la forêt. Donc, je vais faire la même chose. De l'autre côté, je mets une brique du point de vue de la porte. Je mets mon axe de rotation ici. On prolonge avec le stacker. Hop, 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 hop. Je remets une brique. Les briques, je les soude au sol pour éviter d'être baisé. On place nos systèmes hydrauliques. Là, pour le moment, les flicos ne connaissent pas trop mes systèmes hydrauliques. Hein. C'est pour ça qu'à la rigueur, on peut espérer que, vu qu'ils connaissent pas encore mes systèmes hydrauliques, ils n'aient pas peur, quoi. Ils se disent quoi? Bon, bah, c'est un props par terre, frérot. Le props, il va pas se lever. C'est pas la magie noire. Attention, les viewers. J'appuie sur mon bouton. Super génial. Donc, je réfléchis, les gars, pour la hauteur, parce que les flicos, toi-même, tu sais, ils vont faire une courte échelle, les gars. Ils vont être en position 4-4-2 pour essayer de nous bloquer, quoi. Donc déjà, en fait, là, ici, je vais mettre ça là et ici. Voilà. Et en fait, il faut que je prolonge la hauteur sur les côtés. Hein. J'ai pas le choix. Hein. En espérant que, vu que j'augmente la complexité de mon truc, j'ai peur que ça se bug, tu vois. Voilà. Je continue. Donc juste pas devant, à la rigueur, parce que j'ai pas assez de longueur. Je vais souder tout ça avec l'outil de soudation parfait. En gros, il soude et en même temps, il retire la collision entre les props. Ah, ça serait bien quand même que je mette là aussi parce que là, en fait, ils vont essayer de bélier cette porte de panique. Tu vois, les mecs, ils vont tellement paniquer, ils vont se pisser dans la culotte, les gars. Ok, les gars, le test de mon piège, est-ce qu'il marche ou est-ce que ça va bugger? Il marche, ouais, il marche. Juste là, en fait, il va falloir que je mette des no-collisions entre tous les trucs qui vont se toucher, tu vois. Là, là, ici, ici, ici et ici. Ah oui, et les murs là. Donc là, je referme et normalement, quand je réouvre, ça va mieux marcher. Oula, ça se touche encore un peu. Il y a quoi qui a une collision là? Ah, je pense que c'est une collision entre ça et ça. Ça et ça. On réessaye une dernière fois. Le piège, il est insane de ouf, les gars. Combien sur 20, les gars, ce piège? Il est trop bien en vrai. Il est vraiment trop, trop bien. Donc là, le délire, c'est qu'en fait, je les ai piégés. Mais en fait, là, il faut que j'ai l'avantage sur eux. Là, ils vont voir ça. Est-ce qu'ils vont se douter, à votre avis? On voit les petits bouts de corde, mais ça va encore. Tu sais que t'es là. Le mec, il va négocier, il va être comme ça. Oh non, maman!
ma maman. Ah, regarde s'il pousse. Ah non, c'est chiant parce que là, regardez, s'il pousse, il y a moins que ça bouge un peu le truc, tu vois. Ouais, t'as vu, regardez. Ouais. Oh, c'est chiant ça, mais bon, je pense que je peux vraiment rien faire par rapport à ça. Si à la rigueur, je peux essayer à mort à rajouter des trucs qui soudent. Et à la rigueur, je peux rajouter un peu de corde ici. Tu vois, avec les cordes, le mec, s'il pousse. Oh non, mais ça va la corde. Ah, regardez, il y a une option pour la mettre rigide, je vais essayer. Rigide. Attendez, faut pas que ça me nique tout mon truc. Ah ouais, si ça, c'est rigide. Bon, allez, j'ai rajouté ça, ça devrait suffire techniquement. Est-ce que mon truc peut toujours marcher? Ouais, fermé. Ouvrir. Ouais, pas mal. Ouais, mais les flics, tu les connais. Ils vont essayer de tout pousser et tout pour sortir de là. Ah, regardez. Ah, ça me bloque pas mal. Donc, ok. Donc là, mon piège là fonctionne et marche bien. Maintenant, il me faut l'invention que j'ai fait en live. Et là, vous connaissez pas mon invention que j'ai fait en live. Et pour le savoir, il faut me suivre le soir en live, les gars. Donc, ce que j'ai fait en live, Luver, j'ai construit un truc de fou. C'est... Il n'y a pas de terme, c'est un truc de fou. Là, on se construit une plaque. On se construit quelques sécurités sur la plaque. Voilà. Ouais, les flics, vous connaissez les flics. Ils vont quand même me dégommer, hein, vous le savez. Hein. Ils sont quand même 50 contre moi. Hein. Mais c'est pas grave, je leur lancerai quelques petites grenades. Comme un gros salopard. Donc, je vais souder tout ça. Je mets un matériau monstrueux. Et là, on est dans le thème des hydrauliques. C'est les vidéos sur l'hydraulique. Je vais changer de bouton. Et en fait, on va mettre un hydraulique comme ça, regarde. Attendez, juste une chose, il faut que je le mette fixe. Comme ça, en fait, pas fixe, c'est-à-dire qu'il peut aller dans tous les sens, juste il pousse. Et quand il est fixe, ça permet de faire ça, regardez, Oliver. Et en gros, regardez, t'es là, et hop, ça te monte exactement là pour pouvoir shoot tous les policiers qui seraient enfermés dedans. Bon, ça tape un peu, mais bon. Et il n'y a pas intérêt que les flics soient là, que ça soit le bordel. Hein. Et là, tu cartonnes tous les flics, et là, tu refermes. Bon, là, faut pas que je me trompe de bouton, parce que là, vous voyez, je me suis trompé de bouton. J'avais l'air con. On va augmenter juste un peu la distance. Je vais mettre 250. Attention, les distances 250, qu'est-ce que ça donne? Allez, oh oui, là, on est bien là. Ouais, mais je vais me faire canardos par les flicos, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Bon, c'est pas grave, le but, c'est de s'amuser sur le serveur à faire des pièges. Et là, honnêtement, je me suis amusé à faire des pièges. Voilà. Ouais, ça peut être de la décoration. Hein. Mais est-ce qu'ils vont se dire que c'est de la décoration? Non, ça, je ne sais pas du tout. Donc là, je mets mon petit K-pad, histoire d'être un peu roleplay. Faut savoir que le K-pad, ils pourront plus l'accéder quand là, ça sera fermé. Regardez, quand ça sera fermé là. Je m'adore, je suis vraiment trop fort. Faut que je construise une petite cage à otage aussi, basiquement. Ok les gars, faut que je vérifie si ça passe toujours. Ouais, ça passe. Faut pas que je me trompe de bouton parce que j'aurais l'air con. Voilà, et ça je crois que ça tape juste un tout petit peu, mais ça va. Ouais, nickel. Bon bah c'est parti pour chercher un magnifique otage, j'ai envie de te dire. Ok les gars, j'ai sorti mon magnifique multipla. Oui, dans la vidéo d'avant où j'étais concessionnaire, j'avais de plus belles voitures. Mais comme vous avez vu dans la vidéo base, un concessionnaire, bah, j'ai eu des problèmes avec la police. Des joueurs qui sortent du spawn. Et garçonné. Vous voulez quoi? Est-ce que vous pouvez me rendre service? Qu'en fait, j'ai acheté un canapé qui est 3 places, 3,25 m. Ouais. Et en fait, les livreurs, ils me l'ont pas livré chez moi parce qu'en fait, ça passait pas la porte. Donc en fait, je me retrouve avec un canapé devant chez moi. Et il va bientôt faire nuit et on va me le voler. D'accord. Dans la nuit. Ça vous intéresserait de venir m'aider vite fait? Et il faut faire quoi? Bah, il faut le déménager, c'est ça? Bah, je veux juste en fait, parce que là, je suis tout seul. Là. Il faudrait juste que la deuxième personne pour pouvoir le mettre, le soulever, le passer par la fenêtre du salon. Vous habitez où, monsieur? J'habite dans les chemins de campagne, là-haut, pas loin. Faut se dépêcher parce que moi je dois aller prendre mon service. Ah bah bien sûr. Pourquoi vous êtes médecin, monsieur? Je suis policier, moi. Ah ouais? Ça c'est bien, policier. Vous avez des anecdotes à raconter sur la police? Ah oui, moi j'ai anecdotes. Vous savez, des fois, pendant les formations, il y a de très gentils monsieur qui sont nuls à chier. Ils nous regardent et qui nous disent alors c'était comment? C'était bien? Malheureusement, bah, comme je suis assez gentil, des fois je leur dis oui, c'était bien et après je les recale. Voilà. Vous recalez les gens, donc ça veut dire que vous êtes au gradé alors? Ah oui, moi je suis assistant chiffre. Ah, c'est en dessous du chiffre alors? Avec quelques grades en dessous quand même. Il est où le canapé là, monsieur? Il est à l'intérieur. Attention, monsieur, j'aime garer. Je me sens pas trop rassuré là. Vous voulez pas. Je sais pas si je vais rentrer, monsieur, hein, parce que. Pourquoi? C'est juste ma déco qui est un peu spéciale. Bah, en fait, c'est parce qu'ici, regardez, venez voir. Ici, je vais mettre des petites jardinières. Pour, hein, tentez rien, parce que moi, j'appelle mes collègues. Hein. Bah, bien sûr. J'ai rien tenté. Hein. Je suis même pas armé. Regardez, là, je vais faire une petite jardinière ici. Donc, super mimi. Ouais. Vous allez faire pousser des tomates? Bah, bien sûr. Mais là, c'est encore. Là, c'est les structures. C'est les structures. Oh purée, oh non. Non mais je vous avais dit de pas être méchant. Pourquoi? Oh merde, j'ai réouvert. Faut que je te mette une balle maintenant. Non. Eh, je coopère. Ok. Alors vous êtes chef de la police? Ah non, sous-chef, vous avez dit. Non, je suis pas sous-chef, j'ai quelqu'un grade en dessous, mais je suis deuxième du département. Ouh. Vous valez combien, monsieur, si je vous négocie? Je dirais 200 000, 300 000. Vous préférez prendre une balle de Glock de Noël ou de Six Sauveur de gendarmerie? Noël, c'est pas mal, ça, au moins je mourrai. Une bonne ambiance. Alors vous êtes second. C'est quoi votre nom? Moi je m'appelle Sandro Cavallero. Ok. Slash 911, police. J'ai en otage le
second. Et vous, vous appelez comment, vous ? La police Sandro Cavallero. On m'appelle le monarque ultime, le chef de la construction, le patron des bâtisseurs, le chef du BTP. Ah ouais, bon après vous avez un vieux jean et une vieille jacket, donc on peut pas dire ça, mais... Regarde, filme mes pieds, regarde. Ça, c'est des Timberland. Bah, je crois que c'est ça, Timberland. Bon, après, moi, je suis plus qui est Air Force One, Air Jordan, tout ça. Hein. Moi, okay. J'ai... Considéré comme un clochard. Ouais, ouais, ouais. Clochard, les... moi, j'ai des Air Jordan édition limitée, 300 ou 400 euros. Ça quoi. Me les donnait. J'ai même des Nike Jacquemus. Nike Jacquemus, ça, c'est 600 euros, ça. Ouais. Ah ouais, ouais, je vous les montrerai si vous voulez à l'occasion. J'enverrai une petite photo. Bah, de toute façon, moi, j'habite ici, hein. Vous venez quand vous voulez. Hein. Bah, voilà. Après, si je coopère, faudrait. Meurs pas. Oula! Arrête! Et je coopère. Je suis gentil. Dans votre code, ma sécurité, tu penses que ça va suffire, ça? Franchement, elle est nulle à chier, mais ça va le faire. Nulle à chier. Ah ouais, tu vas voir ce qui va être nulle à chier. Non, elle est bien. Elle est vraiment. Et tu sais ce qu'ils vont faire, tes flics de. Tes potes flics, ils vont venir, ils vont me casser les couilles. Plus de téléphone et tout. J'ai pas de téléphone. Arrêtez. Et bien, vous faites comment dans la vie d'aujourd'hui sans TikTok? Oh putain, arrêtez. Je prends un otage des gens, ça me divertit. Et sinon, vous avez vu avec votre canapé là et votre Fiat Multipla là. Et moi je suis flic, j'ai même pas remarqué, je me suis pas dit il y a une embrouille dans le pâté là. Bon, ça peut très bien arriver, monsieur. Et pourtant je me retrouve dans une vieille cage là. Je savais, mais je suis bête. Pose un printer. Voilà. Bah, je peux pas faire ça, moi monsieur, je peux pas faire ça. Hein. Ah ouais. Tu sais, j'ai envie que tu l'achètes et comme ça il sera à ton nom. Comme ça il y aurait une enquête interne sur non, toi. Non, mais j'en ai pas en plus là dans une cage, j'en ai pas dans ma poche. Oui, ça se téléporte. Hein. Vous savez comment ça marche en 2024 hein. C'est une nouvelle livraison. Transfert non, de. Non, molécule. Mais j'ai pas accès. Bon, justement, comme je suis flic, mon nom il est pas accepté. C'est trop illégal pour moi, ça. Oh là là. Où sont tes flicos? Ah, j'ai décidé d'un truc. Tu dois te prendre une balle par minute. Ça, c'est la première minute d'attente. Non. Mais non, mais vous voulez quoi? Oh, dans le pénis. Arrêtez. Arrêtez, s'il vous plaît, faites pas ça. Je peux vous donner de l'argent. Pincez-la, ça va calmer l'hémorragie. La prochaine balle, c'est dans tes Air Force One. Non, ça, c'est sacrilège. Sacrilège, Air Force One. Moi, j'adore. Ah, ils sont là. Allez leur parler. Bah, ça va, il y aura qu'une seule balle. Et si tu racontes que je t'ai mis une balle, ça va très bien se passer. Je t'en mets une deuxième, ok? Oui, je coopère. Je vais te faire pipi caca. Putain, j'ai fait une prise d'otage alors que j'ai envie de chier. Attends, je vais chier. Vous êtes malade un peu, hein. T'as dit quoi? Et voilà qui commence à placer leur voiture. Les bonhommes, ils ont cru qu'on allait se parler à 15 km. Oh! T'as vu la belle voix que j'ai? Et t'as changé de vêtement ou quoi? Magnifique. Non, t'as changé de vêtement là. T'es changé là. J'ai remis ma veste. T'as pas les mêmes chaussures? T'as toujours des chaussures d'élix avec toi? Mais non, j'ai acheté sur AliExpress, ça bout 10 balles. On n'est pas bien payé en flic, hein. Oh les flics, ouais. C'est que je vais mourir. Oh là là, je viens de voir le nombre de flics. Moi, je suis chocolat, moi. Moi, je suis baisé là. Il est pas pour un otage en flic. Tu sais qu'ils sont en train de faire un cinéma là. Ils sont en mode blablabla. Unité à. Adam 82, Je pense que s'ils entendent tirer, ils vont un peu plus se ramener. Attends, vas-y, je vais tirer dans ta chaussure. Ah ouais, je pense, oui. Non, mais tirer. Non, par terre, c'est bien, par terre. Ah oui. Ils croiront terre, ensemble au paradis, Johnny. Vas-y, chante pas. Par terre, ça, ils auront peur. Ensemble au paradis. Attends, j'ai un truc pour toi, là. J'ai apporté des micros, les vieux. Hein. Oh ouais. Je suis très content, là. Ah bah, j'imagine. C'est vachement bien, ça. C'est vachement bien. Oh là là, je vais chanter à tue-tête. Bah, vas-y, commence. Non, mais là, c'est. Chante mais du... je suis pas préparé. Du Booba au KLM. Non, moi je connais pas ça. Moi, si vous voulez, je connais Nino. Mais après. Ah bon? Moi, je connais La Vie qu'on mène de Nino, si vous voulez. Non, ça c'est malaisant ça. Vas-y, je vais mettre un silencieux juste pour t'en coller une. Bouge pas. Non. Je vais chanter du Booba. Vas-y, commence ça, elle part dans 20 secondes sinon. Non, mais je suis un mytho, je connais pas Booba. Non, mais tirez pas. Ah, arrêtez. T'as la chance, elle t'a frôlé. Regarde les flics qu'il y a. Allez, c'est mort. Jamais de la vie, j'ai réussi. Tu sais que jamais de la vie, je réussis à la soie juste avec ça comme protection. Je suis sûr, j'ai pas ouvert le chat, mais je suis sûr, ça me demande de les appeler. Alors, est-ce qu'ils me demandent d'appeler? Non. Ah, sinon, je peux leur parler au mégaphone. Ramène Toki! Gros puant. Il y a trois personnes à droite, hein, puis il y a une personne qui se met à gauche. Voilà, ça fait 3, 2, 5. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de calculer. Ok, j'ai été voir avec un drone, ils sont déjà en train de s'embrouiller là. Ça va très mal à les portes. Hein. Ah, bah. Non, mais ils parlent, ils font des pièces d'opération. J'ai trop peur d'appuyer par inadvertance sur mes trucs, les gars. Oh, mais tu sais que ça se trouve, c'est frisé. Oh non, j'ai peur. Je suis stressé, c'est ma première prise d'otage. Ah ouais, bon, j'irai. Je me suis entraîné en faisant du théâtre. Vous connaissez Lavar? Faites-moi un petit extrait là de Lavar. Donnez-moi une PaySafe card ou une carte cadeau Amazon. Bonjour, c'est les collègues. J'ai le second de la gendarmerie. Il regarde partout à gauche, à droite. La BAC. Vous êtes la BAC? La brigade anticriminalité? Exactement. Batman avec mon collègue Butcher Donné, on nous appelle. Ok. Monsieur Legrand, vous êtes stylé. Reculez-vous pour prendre un peu de distance. Attendez, je vais juste baisser la luminosité de ça, comme ça on se voit un peu mieux, un petit peu de respect. Alors bonjour, monsieur. Bonjour. Deputy Chief Washington. Bonjour. Je suis là pour négocier avec vous. Bonjour. J'ai le second de la police, donc ça veut dire que c'est quand même beau. Quand même quelque chose. Eh ben, moi, je suis le troisième. Vous voyez?
négocier finalement. On ah, c'est à ce grade avec toi. Bah vas-y, bah dis-lui comment négocier, Sandra. Dis-lui que tu lui fais mal. Non, je lui fais confiance. Donc, je vais te sortir de. Tout d'abord, je vais avoir besoin d'une identité afin de pouvoir vous identifier. Après, je vous expliquerai les règles de négociation. Est-ce que j'ai déjà dit mon identité? Est-ce que vous pouvez me donner votre identité? Il s'appelle le grand du BTP. Ah oui, c'est vrai, le grand monarque du BTP. L'ange gardien de tous les constructeurs. L'évêque et l'archevêque de tout ce qui se reflète à la construction. Bon, je vais vous appeler Monsieur Portugais, d'accord? Oula, c'est raciste, monsieur. Absolument pas, c'est réaliste. C'est un peu raciste. Et à ton supérieur, il a dit que c'était raciste. Vous trouvez une autre nationalité? Bah alors, vous serez brésilien. Ouais, ça peut aller. Ouais, ils font des belles favelas, là-haut. Ouais, ça passe, ça, c'est sympa. Donc, je vais vous rappeler les règles de négociation. Aucun sévice moral, il a rien physique sur notre assistant chief. T'as eu quelque chose? Non, mais je tiens quand même à le repréciser. Non, mais on lui demande. Si vous tentez de vous évader ou si vous tentez quelconque coup fourré, on sera dans l'obligation d'intervenir. Oui. D'accord? Donc, les coups fourrés, vous abandonnez. Oui. Mais pourquoi vous arrêtez pas de me viser, de me déviser comme ça? Bah, en même temps, vous nous visez, donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et nous finirons par vous dire que tout refus de négociation de votre part sera considéré comme refus catégorique et nous serons dans l'obligation d'entrer. Donc, vous êtes prié de rester avec nous. Arrêtez de faire les cons autour. Ça fait une choré. Prochain qui fait ça, je lui mets un rétro. Ah, faudra avoir l'avis du second. Il y a le comico juste à côté. Nous allons vraiment pas que je me déjà commencer les négociations. Est-ce que vous pouvez juste me laisser communiquer avec notre second? Ah oui, allez-y. Parlez avec lui. En plus, il est quand même beau. Monsieur Cavalero. Il est quand même beau. Ouais, je suis là. Un rapport sur la situation. Comment ça se passe à l'intérieur? Bah écoutez, ça se passe, on va dire bien. Tant que je coopère, tout se passe bien. Bah bien sûr. Et je lui ai offert des chaussures. Il est pas grossier. Et un micro. Et non, il est pas agressif, donc c'est ok. Un micro. D'accord. Il est seul ou pas, monsieur Cavalero? Attention. Ah oui, je suis seul. Non, il y a trois personnes. Il y a trois personnes. D'accord. Il y a le flic à droite qui regarde les grillages. Ok. De toute façon, c'est comme Marshall, on est d'accord. Oula. C'est un code, ça. Ok. C'est quoi ce code? Non, absolument pas. C'est juste pour savoir s'il y a des flics au-dessus là qui vont arriver. Mais non, pas du tout. Pas du tout, monsieur. Ah bon? C'était juste pour. Okay. Voilà. Bonjour. C'était juste pour. Il va faire pipi. Il a indiqué que Marshall l'attendait à la sortie parce qu'il était tout triste. Ok. J'active mon piège de viveur. Donc, monsieur Maxime. Oui. Donc, monsieur le Brésilien, pardon. Qu'est-ce que vous voulez en échange de. Non, retirez votre échelle, monsieur. Vous êtes malade, monsieur quoi. Cavalero. Excusez-moi. Qu'est-ce que vous voulez en échange de notre Cavalero? J'aimerais 855 000 euros. 850 000. Oh, c'est quoi ça? Purée. C'est quoi ça? Oh lourd. C'est quoi ça? Attendez, je reload. On pète la porte. Tu peux pas péter. Tu peux pas. Libérez-les. Monsieur Cavalero, on fait tout ce qu'on peut. Ouais, tapez sur le côté, tapez. On avance. Oh putain, le bordel est dur. Cavalero, je te faisais confiance. Je te faisais confiance, Cavalero. En vrai, ils ont abusé. Ils ont forcé le truc avec la voiture. Bon, les viewers, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. La prochaine fois, je me ferai pas avoir. Chaque vidéo nous apprend comment mieux pranker la police. On se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo, les gars. Ciao, abonnez-vous. Et n'oubliez pas de venir tester le serveur.